Et salut les amis, c'est Supra33910. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Division. Déjà, je voudrais remercier mes 19 abonnés qui sont présents, qui regardent mes vidéos. Bon, ça serait cool qu'ils laissent un petit peu plus de pouces bleus. Hein, ça serait sympathique. Mais... je m'y attendais pas. J'oublierai jamais ce que vous avez fait. Et j'aimerais bien atteindre la barre des 30 abonnés si c'est possible. Et si j'arrive à la barre des 30 abonnés, j'essaierai de faire peut-être une petite vidéo sur farming ou sur un petit jeu en multijoueur avec mes abonnés. Je verrai ça, ce que je peux faire. Ouais, ce serait cool de faire si j'arrive à atteindre la barre des 20 des 30 abonnés, on va dire. Allez, on va dire que 50. Si j'arrive à faire... enfin, si vous vous abonnez, les amis, j'essaierai de faire une petite vidéo avec les abonnés que... enfin, vous me direz dans la... ceux qui veulent participer. J'essaierai de voir ce que... je peux faire. J'essaierai de voir. Alors, je serai peut-être... je ferai peut-être une vidéo sur avec mes abonnés sur Minecraft en créatif. Je ferai une nouvelle map et en créatif pour mes abonnés pour faire cette vidéo si j'atteins la barre des 50 abonnés. Mais on en reparlera un peu plus tard ça. Pour l'instant, on va jouer à The Division et on va... composants électroniques. Mission secondaire. J'étais Walter. Données analysées. Téléchargement des fichiers. On tient des preuves potentiellement compromettantes d'une grave négligence. Il semblerait que quelqu'un était sur le point de découvrir un vaccin. Il faut trouver la personne qui a diffusé ces preuves. Le lanceur d'alerte pourrait être Judy Walters, une employée de Vexix. Elle a été vue pour la dernière fois au siège social de la compagnie. Merde! Crotte! Tu crois qu'on peut... tu as peut-être pas dû passer par là, putain. Ça y est, c'est fini. A priori, ouais. Mais je crois que je vais prendre la... non, je vais pas... putain. Je vais prendre l'autre avant. Je vais passer dessous le pont là. Je vais être à couvert. À peu près. Et on verra. Enfin, ça serait cool, voilà. Si j'arrive à atteindre la barre des 50 abonnés, je ferai peut-être une vidéo avec les abonnés que je vais sélectionner, bien entendu. J'essaierai de faire une petite... des petites questions sur mes anciennes vidéos, voir pour ceux qui sont... qui ont regardé mes vidéos. Un écho lisible. Donc, voilà. Mais on en reparlera bien plus tard. Ok, ok. Néant, courrier, parle au téléphone. Néant cherche à suivre pour la dernière fois à son travail. Disparu, assistance de portée. Ce ne sont pas des monstres, monsieur Valassi. Je vais essayer de les convaincre encore une fois. Judy, que vous arriviez
à les persuader ou pas. Il faut que les gens soient mis au courant. Écoutez, écoutez, vous n'êtes pas obligé d'en parler dans mon émission, mais si vous pouviez au moins me donner un petit quelque chose. Je dois y aller. Je vous rappelle. Ok. Excusez-moi, monsieur, mais je vais vous demander de partir. Attendez, on veut juste sécher un peu. Ça va? Non, désolé. Il faut prendre vos affaires et quitter les lieux. Vous êtes sur une propriété privée. Décès des téléenquêteurs. Cause du décès, traumatisme crânien, soupçon d'homicide. Corps enterré à Central Park. Ok. Donc. Ok, donc il faut passer là-dedans. Oh, je le sens pas cette histoire. Ça pue. Cette histoire pue. Ah, ça doit être des vides par balles. Néan, au responsable envoyé au texto à sa famille. Décédé, responsable pour un corps conservé. Corps conservé au projet Passware. Attends, pourquoi il y en a? Il y a des clodos qu'ils ont enterrés dans Central Park et il y en a d'autres qui les ont gardés. Qu'est-ce qu'il va y avoir à ce? Décédé, responsable encore à traitement de. Ok. Une seconde. Monsieur Valassi, j'ai été clair. Je ne dirai rien sur eux avant de leur avoir donné l'occasion d'arranger les choses. Et j'espère que vous arriverez à les convaincre. Mais si jamais c'est pas le cas, je vous attends dehors. Je suis en direct à partir de 19h, Judy. Vous allez donner la chance. Judy, on t'attend en salle de réunion. Pfff, ça devient n'importe quoi dehors. J'ai failli prendre ma journée en disant que j'étais malade. C'est vrai, en plus, j'ai un peu mal à la gorge. Avec le bilan comptable que j'ai à faire. Hey Judy. Judy. Balise d'écho actif détectée. Tu sais quoi ? Où est-ce que tu vas ? Je crois qu'avec quelques personnes et des ressources en plus, on l'aurait déjà, ce vaccin. Je pensais comment qu'on pourrait placer l'humanité en premier. Sécurité. Mathieu, Madame Walters est en train de descendre. Retenez-la, c'est... Écoutez, d'ici quelques mois, il se peut qu'on ait un vaccin. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est traiter les symptômes. C'est vrai, et ce sera plus pour tout le monde. Et on doit faire le nécessaire pour que nos actionnaires se satisfassent. Ils ont déjà trouvé un vaccin. Donc ça ne fait rien de laisser mourir des gens parce que c'est pas dans tes attributions, c'est ça? Va te faire foutre, Alan. J'ai des enfants, mais je pense aussi à leur avenir après que tout ça sera terminé. Ok. Me dis pas qu'ils l'ont zigouillé. Quoique, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, ça. Il aurait quaqué rien que pour pas qu'elle divulgue les trucs. Le mec qui se promène avec UILM 60 de la du Vietnam, tu sais, au KLM.
Hop, 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 hop. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Ah. Ok, d'accord. Donc il faut que je refasse toute ta patte. Putain. Et on remonte. Papa li pa la papa pam 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 na pa na pa na pa pa pa. Vous êtes proche d'un écho. Oui, non, mais c'est bon, c'est lui, c'est lui. Voilà, encore un escalier, putain. Ta 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 ti ta 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 ta. Balise d'écho actif détectée. Alors, on va regarder ça. Gaz lacrymogène. Madame Walters, je vais vous demander d'attendre. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Né en garde de sécurité vu pour la dernière fois son travail. Ok. Et ensuite? Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vais continuer, bon, même si j'ai pas fait quelque chose de mirabolant, mais perso voilà, les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Voilà, ok. Mortellement blessé dans une collision. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker les vidéos, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner pour ceux qui veulent me suivre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.